Coucou tout le monde, me revoilà dans une petite vidéo qui n'était pas du tout prévue. Donc oui, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, je sors de la douche. Et bon bah ce sera une vidéo qui, j'espère, ne sera pas trop longue. Il n'y aura pas un travail de montage de dingue dessus parce que c'est vraiment une petite vidéo un peu blabla. J'avais deux trois choses à vous dire, donc c'était pour ça. Donc pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit peu de temps, vous avez déjà vu que sur ma barre d'infos, je vous donne ma page Facebook. Bon, c'est clair que je suis pas hyper active sur Facebook parce que bon, ça me saoule un peu. Surtout qu'en ce moment, j'ai des petits soucis avec Facebook. Alors, pour ceux qui sont sur ma page, ben, des fois, ils peuvent avoir popé un espèce de pub, pardon, une espèce de pub, et comme quoi on peut gagner un Samsung ou un iPhone ou que sais-je encore. C'est de l'arnaque. Ce n'est pas moi qui le mets. Je ne sais pas comment ils font. J'ai sécurisé mon compte à fond les ballons. Mais vraiment à fond, à fond, à fond. Et j'ai quand même ces publicités. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Ça se met sur la page perso, sur chaque. Ça va des fois sur des groupes. Quand j'ai des groupes, donc je suis inscrite dans certains groupes, donc qui publient ça à mon nom dans ces groupes. Ça publie sur mon mur, ça publie partout. Alors, c'est du fake. Et du coup, je pense que ça commence à vraiment me saouler, qu'il y a des chances que bah, je ferme cette page parce que là, ça commence à me saouler vraiment. Moi, je passe pour quelqu'un de pas correct vis-à-vis des gens, alors que c'est pas ma faute. Donc ça, c'est petit aparté. Je ronchonne contre Facebook. Autrement, j'ai créé mon Insta avec ma page Le style de Célinette. Alors, j'espère être un peu plus active, parce que bon, là, a priori, c'est que des photos, je vais pas forcément de mettre des articles, des machins et tout. Faut juste que j'arrive à maîtriser l'appli. Je sais très bien regarder dessus, je sais, voilà, mais mettre des photos, pour le moment, je suis pas encore très forte. Du coup, c'est un petit peu embêtant. Donc, voilà, je le mettrai dans ma barre d'infos, du coup, le nom de ma page Insta. Donc voilà. Excusez-moi. Du coup, ça va être mis prochainement sur ma barre. Dans ma barre, pardon. Autrement, pour les petites choses qui sont, entre guillemets, cool, ça c'est dit. J'ai des infos pour la petite Minette. Donc je sais que vous avez été beaucoup à me suivre, à voir ma vidéo de mon live. Alors la petite Minette, j'ai appris que c'était donc effectivement une petite fille. C'était une petite femelle qui a un an et demi, pas plus, qui a eu des bébés. Donc, elle miaulait beaucoup parce qu'elle avait faim, mais sûrement aussi parce qu'elle recherchait ses enfants, enfin ses petits bébés. Et par contre, on sait qu'elle était en fin d'allaitement, donc les enfants sont. Enfin, les enfants, oui, pour moi, c'est des enfants. Les petits sont sûrement en fin d'allaitement, donc ils sont pratiquement sevrés au niveau alimentaire. Émotionnellement, je pense pas qu'il le soit parce que ça prend au moins 3 mois et ça fait sûrement pas 3 mois qu'elle a eu ses bébés donc voilà. J'ai essayé de voir pour la faire adopter parce qu'elle n'était pas pucée. Alors, si ses propriétaires non officiels passent par là, hein, bah oui, j'ai essayé de faire donner votre chat parce que vous en occupez pas. En plein été, ne lui laisser ni à boire ni à manger, ni voir avec quelqu'un pour s'en occuper quand vous partez, c'est ignoble. J'ai pas d'autres mots. Donc voilà, je ne comprends pas. Donc là, j'utilise pour me rafraîchir après ma douche, c'est de l'eau florale de jasmin de Christian Lénard. Donc j'avais acheté dans les promos beauté de Leclerc. Petit aparté close. Je disais que pour cette petite minette, toutes les associations que j'ai pu essayer de contacter étaient fermées. Malheureusement, le dernier recours que j'avais, c'était la fourrière. J'aimais pas trop, je l'ai pas emmenée, j'ai pas fait, j'ai pas pu. Déjà parce que la nana au téléphone m'a presque envoyé bouler et que j'ai pas aimé. Que fallait que je l'emmène, donc c'était pas un problème. J'aurais trouvé quelqu'un pour m'y emmener en voiture, c'était vraiment pas le problème. Ça, c'était vraiment pas la contrainte. Mais je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Sachant que la fille me disait au téléphone, si au bout de, on la garde 8 jours. Pour voir si ses vrais propriétaires viennent la chercher, ce qui aurait pu arriver, même si
priori, ils s'en fichent un peu. Mais bon, voilà, je l'ai pas fait. J'ai essayé de l'amener chez moi, donc avec mon bébé. Ça s'est pas bien passé. Je l'ai pas sorti de la boîte de transport parce que j'avais mis en boîte de transport. J'avais réussi à la pâter grâce à la nourriture. Et donc, elle était stressée. Elle était très, très, très stressée. Et elle miaulait beaucoup. Voilà. Et quand j'ai déposé la boîte dans mon salon à côté de mon bébé, elle a commencé à montrer des signes de je suis pas content, à faire gonfler sa queue, voilà, à chercher un petit peu, puis après à cracher. Donc voilà, elle faisait pareil à l'intérieur. Elle voulait sortir, elle voulait absolument sortir de la boîte. Donc je pense que c'est une petite minette qui a quand même l'habitude de vivre en extérieur. Mais voilà, sans les soins qui vont avec à côté de ça. Donc c'est vrai que moi, il faut que si j'arrive à la rattraper, parce que pour le moment, je ne l'ai pas revue depuis hier, parce que je pense que je l'ai un peu effrayée. Et du coup, c'est un petit peu compliqué là. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas, mais bon, je pense qu'elle va bien. À chaque fois, elle revient. Et la seule chose que je me dis, j'espère qu'effectivement, elle ne reviendra pas dans le coin parce qu'elle sera emmenée par une famille qui va l'adopter et va faire comme moi j'ai fait avec mon petit bébé. Et qu'elle va trouver une bonne maison, qu'elle a une bonne maison, qu'elle a ce soir aller au frais dans une maison avec des maîtres qui vont la câliner, qui vont prendre soin d'elle, qui vont lui donner à manger à sa faim, lui donner à boire à sa soif. Mais moi, en attendant, ben, je reste aux aguets pour éventuellement lui trouver une maison, un foyer, une maison qui va l'aimer, qui va s'en occuper comme elle le mérite. Et voilà, en espérant la retrouver, bien sûr, je promets rien aux personnes à qui je propose parce que, ben, comme je le dis, je ne sais pas où elle est en ce moment. Et voilà, donc c'est vrai que c'est quand j'ai dû la relâcher samedi. Je ne vais pas vous mentir, j'en ai pleuré. Là, j'en parle, j'ai envie de pleurer parce que je me dis que j'ai pas réussi à la sauver. Et que ça me fait très très mal au cœur d'avoir dû la laisser parce qu'elle était vraiment pas bien dans la petite boîte. Donc, excusez-moi. C'est assez pénible. C'est assez pénible, mais je sais que j'avais promis que je vous en parlerai. Je vous ferai une petite vidéo pour vous en parler. Donc, voilà, c'est fait. Et voilà, donc c'est assez compliqué pour de retenir mes larmes. Voilà, parce que ça me touche beaucoup. Je vous ferai une petite vidéo peut-être un peu plus joyeuse parce que c'est le cas, c'est quelque chose qui se finit bien. C'est celle de l'histoire de mon petit chat que j'ai adopté. Bah, c'est pareil, il vient de la rue, c'est un petit chat qui avait été abandonné et qui m'a choisi. Il a choisi notre maison à mon mari et moi parce que à la base. Si j'avais eu mon jardin de fermé, clôturé comme il devrait l'être, je l'aurais pas trouvé. Le destin a fait que c'était pas le cas et que c'était la seule maison qui pouvait rentrer et qu'il a fait le choix de passer par les fenêtres, par le côté jardin et pas du côté de la cour de la résidence où moi j'ai pas de fenêtre. Et donc voilà, j'ai eu cette chance-là et lui aussi parce qu'il a trouvé une bonne maison et voilà. En tout cas, si vous arrivez à me suivre comment dire, sur Instagram, vous aurez beaucoup de photos de mon bébé parce que c'est ma vie, c'est mon fils, et comme je dis à chaque fois, c'est mon fils poilu. Et ça fait beaucoup rire mon mari parce qu'il me dit, ouais, ton fils. Et c'est vrai que les gens, quand ils ne me connaissent pas, ils me disent, ton fils, ah, t'as un enfant et tout, il a quel âge? C'est mon fils poilu, il a 3 ans. Donc voilà. Donc ça, c'était la petite aparté petit chat. Sur Instagram, bah, je mettrai, comme je vous dis, des photos, des petites vidéos de mon chat au possible. Mais je vais essayer, donc je vais vraiment essayer, c'est de faire des recettes parce que j'aime bien cuisiner. J'ai essayé pour faire des vidéos sur YouTube, j'arrive pas, je m'y prends mal, j'ai pas le matériel qu'il faut, je pense. Sachant que je filme avec mon téléphone, peut-être qu'en Insta Story ou je sais pas, peut-être que j'y arriverai mieux. Donc peut-être que je mettrai quelques petites vidéos cuisine quand elles seront regardables parce que là pour le moment je suis pas au point. Et voilà, donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis bah merci de m'avoir regardé. Et puis bon bah laissez-moi un petit mot pour me dire ce que vous en pensez de tout ça. Si vous avez des solutions à m'apporter par rapport à la petite minette. Si vous avez des explications pour m'aider sur Instagram, parce que comme je vous dis, je ne maîtrise pas du tout.
Et si vous avez été victime de ces harceleurs de fake news et d'arnaques sur Facebook, ben, je serais aussi preneuse pour savoir comment vous en êtes sortie, parce que là, moi, je m'en sors pas et ça commence à vraiment à être compliqué. J'ai perdu des amis sur Facebook. J'étais sur un groupe d'une copine de pâtisserie, bah, elle m'a retirée parce qu'elle dit, c'est quoi et tout. Mais j'y suis pour rien. Elle me fait, oui, mais non, voilà, bah, elle m'a retirée de son compte Facebook. Donc, je suis assez triste de ça parce que, bah, voilà. Donc, maintenant, bah, voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis bonne soirée et à une prochaine vidéo. Un peu plus sympa et un peu plus préparée avec un make-up, etc. Là, pas la sortie de douche comme ça à l'arrache. Allez, bye bye. Bonne soirée.